Amen, chers frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Que chaque personne ici présente soit heureuse
d'être dans la maison du Seigneur. Amen. En ce sabbat matin, prenons le temps de contempler Dieu. Psaume 63, verset 2 dit, « Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter avec nos numéros 394, « Contempler mon Dieu sur son trône », 630, « Jérusalem, cité de Dieu », et le chant de prédisposition du numéro 142, « L'Église est étrangère », 394. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Emmanuel. Bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Revoir mes amis dans le ciel. Posséder l'immortelle vie. C'est là le bonheur éternel. Oh, dans le ciel. Dans le ciel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire. C'est là. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui ont hâte d'être face à face avec le Seigneur. Amen. Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans les yeux de mon sauveur un doux accueil plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or, au son
si beaux, les racheter dans les hauts cieux. Entonne le chant de l'agneau. Chant de l'agneau, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais dans pur étincelant. Où tout dit gloire au grand roi triomphant. Être avec Christ, au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir. Pour moi, pécheur, rien de meilleur. Plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais, dans pur étincelant. Où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai. Là je verrai tous mes trésors qui s'y bagaient, trop perdu, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louons le Seigneur, Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais. Pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais, tant pur étincelant. Où tout dit gloire au grand roi triomphant. Amen. Numéro 142, l'Église est étrangère, maintenant ici-bas. En la bémol. L'Église est étrangère, maintenant ici-bas. Un roi glorieux, éclatant de lumière, qui descendra des cieux. Oui, l'heureux, oui, l'heureux pour sa prête, et le ciel va s'ouvrir, levant la tête, le Seigneur va venir. Quelques instants encore, nous verrons son retour. Déjà blanchit l'aurore de ce bienheureux jour. Oui, l'heureux, oui, l'heureux pour sa fête, et le ciel va s'ouvrir. Viens ton peuple, viens ton peuple fidèle.
les yeux fixés en haut. Désir et t'appel. Viens Jésus, viens bientôt. Oui, l'heureux, oui, l'heureux, vos apprêtes, et le ciel va s'ouvrir. Le vent, la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Merci. Sabbat. En vous regardant ce matin, j'ai l'impression que la gloire de Dieu émane sur vous. Je crois que la grâce de Dieu comble sur chacun de vous particulièrement. Et nous disons merci à Dieu. Je veux remercier aussi le groupe Witness pour ces deux morceaux exécutés à la gloire. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons faire une grande réflexion. Une réflexion sur une prophétie qui est en train d'accomplir sous nos yeux et que beaucoup ignorent. Et dans certains cas, ils travaillent même à la réalisation de cette prophétie. Nous allons, j'ai bien dit, faire une réflexion, pas une prédication. Et il n'y a pas de projection. Je vous demande de me suivre avec vraiment attention. Et le titre, c'est l'écuménisme et ses enjeux politico-religieux. L'écuménisme et ses enjeux politico-religieux. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, en ce moment, une fois de plus, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais une fois de plus, nous réclamons ta présence parmi nous. Nous allons méditer en ton nom. Je te demande, permets que chaque texte biblique, chaque citation soit placée dans son contexte. Ouvre notre compréhension. Efface-nous et parle toi-même à ton peuple. Je te prie au nom de Jésus. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les mots comme réseau, unité se font entendre de plus en plus. Il est question de l'unité sociale, de l'unité économique. On parle de plus en plus aujourd'hui d'union politique, monétaire, d'union militaire. Et cette notion d'union prend même une dimension mondiale. Il faut dire que ce même mouvement d'unité se fait aussi ressentir au niveau des églises. Depuis de nombreuses années maintenant, on parle d'écuménisme. Dans le texte mentionné de Jean 17, Jésus parle de l'unité. Il prie pour l'unité des chrétiens. Mais la question est de savoir dans quel sens Jésus a prié pour l'unité. Dans quelles limites convient-il de travailler à l'unité du peuple de Dieu? Chers frères et sœurs, ce mouvement appelé écuménisme est donné pour mission de rassembler toutes les églises ou religions du monde en une seule. J'ai bien dit, de rassembler toutes les églises ou religions du monde en une seule.
Au début, l'écuménisme ne touchait surtout que le catholicisme et le protestantisme. Petit à petit, de nombreuses églises évangéliques, principalement charismatiques, ont rejoint les premières. Mais depuis quelque temps, c'est la grande confusion. Parce que les écuméniques entament des conversations, des dialogues avec d'autres religions, particulièrement avec les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans et même les athées et l'occultisme. Pour atteindre cet objectif, à savoir réunir, rassembler toutes les églises en une seule, ils ont développé des techniques, créé des mouvements afin de séduire le peuple de Dieu. Et leur argument massu dans ce domaine, c'est qu'ils prônent que Jésus en a donné l'ordre, puisqu'il a déclaré dans Jean 17, le verset 21, que tous soient un. Voyons ensemble quelques-unes des techniques utilisées. Nous allons en voir quatre. La première technique consiste à utiliser des mots qui charment, comme unité, tolérance, dialogue, amour. Sur base de ces propos charmeurs, catholiques, protestants et autres développent de nombreux efforts en faveur de l'unité. Même les commentateurs neutres au milieu religieux sont stupéfaits de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. En 1986, le pape Jean-Paul II a invité toutes les religions du monde dans une grande réunion de prière en faveur de la paix. Il faut dire que beaucoup sont venus des quatre coins du monde à ce grand rendez-vous, prier pour la paix. Ainsi, se sont réunis les bouddhistes prosternés devant la statue de Bouddha placée sur un autel de l'église Saint-Pierre. Des prêtres fétichistes ont conjuré des esprits et aspergé d'eau l'assemblée. Des gourous, des indiens emplumés ont invoqué le grand esprit. Des représentants des églises protestantes étaient aussi présents. Est-ce là l'unité dont Jésus a parlé? Vous devez savoir que par ce genre de rencontre, les œcuméniques veulent deux choses. Premièrement, minimiser toutes les différences doctrinales au profit de la tradition. Et deuxièmement, ils veulent montrer que nous avons et nous prions tous le même Dieu. Et là, j'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que nous avons tous le même Dieu? Je reprends ma question avec un exemple. Je prends l'exemple des musulmans. Croyez-vous que nous prions le même Dieu que les musulmans? Non. Réfléchissons un peu ensemble pour confirmer tout ça. Si c'est le même Dieu, il doit dire la même chose dans la Bible et dans le Coran. N'oubliez pas que le Coran, c'est le livre sacré des musulmans. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Comment oser dire que c'est le même Dieu alors que le Coran déclare que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'a pas de fils, et que quiconque affirme que Jésus, que Dieu a un fils doit être maudit? Le Coran déclare que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, mais que Dieu l'a enlevé sans qu'il passe par la croix. Ceci implique donc que Jésus n'est pas ressuscité. De plus, le Coran appelle au meurtre de tous ceux qui ne croient pas à Allah. Donc le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu du Coran. Ils n'ont pas du tout le même langage. Leurs discours sont opposés. La lecture du Coran nous plonge en plein blasphème, en complète abomination vis-à-vis du message du Christ. Rappelons que le langage qui dit que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, mais de l'Antéchrist, selon 1 Jean 4, le verset 2,
Et le verset 3 continue pour dire, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Désolé de vous dire ce matin qu'aussi bizarre que ça peut vous paraître, que non, nous n'avons pas et nous ne prions pas tous le même Dieu. Car Jésus disait dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous pouvons faire cette même réflexion pour les catholiques et bien d'autres religions. Inutile donc de faire semblant et de jouer la comédie. Mieux vaut tard que jamais. Utiliser des mots qui charment, la première technique. La deuxième tactique consiste à cacher les défauts et mensonges pour ne laisser paraître que les beaux côtés. Il faut dire, tout en simulant une attitude d'ouverture vers les autres dénominations, l'Église romaine n'a qu'un seul objectif, ramener en son sein tous ceux qui s'en étaient séparés. D'ailleurs, on ne qualifie plus les protestants d'hérétiques, mais de frères séparés. En 1999, le pape déclarait, suivez avec attention, « Il est important que les disciples du Christ reconnaissent leur lien de communion et qu'ils travaillent à retrouver leur unité autour du successeur de Pierre. » Quand les catholiques parlent du successeur de Pierre, on voit le pape en question. Trouver à retrouver leur unité autour du successeur de Pierre. Voilà, mesdames, messieurs, la véritable intention de l'Église catholique romaine. Ramener dans son giron tous les croyants du monde entier. D'ailleurs, l'objectif est clair. Tous autour du pape. C'est l'objectif. Dans Jean 17, chers frères et sœurs, Jésus n'a jamais évoqué une telle unité. Que personne ne nous séduise par de faux raisonnements et par de vains discours. La troisième technique, c'est la création du Conseil œcuménique des Églises, le COE, Conseil œcuménique des Églises. C'est une organisation mondiale basée à Genève, fondée en 1948 par les initiateurs de l'œcuménisme. Le COE rassemble églises et dénominations de plus d'une centaine de pays dans le monde, représentant plus de 500 millions de fidèles, avec pour objectif l'unité visible de toutes les doctrines religieuses en une seule foi et une seule communauté eucharistique. Donc, parmi les églises membres, nous pouvons citer orthodoxes, anglicanes, certaines églises baptistes, réformées, luthériennes, l'église du Christ, pentecôtistes et j'en passe. Il y en a plein. Il faut noter que l'église adventiste du septième jour ne fait pas partie de ce conseil, mais il a un siège d'observateur. Donc, deux grandes institutions travaillent incessamment pour cette unité. D'un côté, il y a le COE, de l'autre côté, l'Église catholique qui multiplie les démarches, les rencontres pour arriver à cette unité. Nous pouvons juste citer quelques exemples. Le rapprochement du pape François, ou bien la grande rencontre historique entre le pape François et le patriarche de Moscou le 12 février 2016 à Cuba. Le rapprochement entre le pape François et l'islam. Célébration commune entre le pape François dans l'église vaudoise de Turin, une église évangélique. Et j'en passe. Deux grandes institutions, mais le même objectif, rassembler toutes les églises du monde en une seule foi. La quatrième technique, c'est le mouvement catholique.
charismatique. En fait, c'est un grand mouvement de réveil qui traverse l'Église catholique et certaines églises protestantes. Ce mouvement est dominé en grande partie par un moment de louange basé surtout sur l'ambiance et la musique. Et ceci pour attirer les gens. La devise appliquée à ce mouvement est celle-ci. La doctrine divise, mais l'expérience unit. Laissons donc la doctrine de côté et expérimentons ensemble l'unité des croyants. Frères et sœurs, la Bible doit être notre seule boussole. Et en ce sens, aucune expérience humaine n'est au-dessus de la Bible. Peu importe votre tradition ou votre culture, si elle n'est pas en harmonie avec la Bible, elles sont anathèmes. Ce mouvement revendique donc l'action du Saint-Esprit comme initiatrice de cet effort vers l'unité. Mais alors se trouvent côte à côte les protestants qui prient le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et les catholiques qui prient Marie, les saints et les morts. Et certains voudraient dire que tout cela se faisait sous l'action du Saint-Esprit. Encore une fois, se pose la même question, est-ce là l'unité dont Jésus a parlé? L'aspiration à l'unité doit-elle faire le sacrifice de la vérité? S'il doit y avoir unité, ce n'est que dans la vérité qu'elle peut se construire. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on se trouve prêt à sacrifier la vérité pour faire semblant de vivre l'unité. Nous ne devons jamais oublier, frères et sœurs, que l'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de vérité. Dans Éphésiens 4, le verset 15, l'apôtre Paul fait éloge du couple amour et vérité. Nous sommes invités à professer la vérité dans l'amour. On peut dire en quelque sorte que le couple amour et vérité est marié pour toujours. Dans la pensée du Seigneur, selon l'Écriture, amour et vérité ne divorceront jamais. Rempli d'amour, le Christ n'a jamais cédé un iota sur la vérité. L'unité est le fruit de la vérité. L'unité pousse sur l'arbre de la vérité. Il n'y a pas d'unité véritable sans la vérité. Et toute unité construite aux dépens de la vérité est vouée à l'échec et ne peut venir de Dieu. L'unité du peuple de Dieu ne peut donc se faire à n'importe quel prix, ni n'importe comment, ni sur n'importe quelle base, ni avec n'importe qui. L'unité du peuple de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Certains s'imaginent parfois que si dans toutes les églises, on chantait les mêmes cantiques, en suivant la même liturgie, en faisant les mêmes prières autour pour des sujets communs, autour de la même version de la Bible, alors ce serait vraiment l'unité. Alors, c'est une erreur de penser cela. Ces conditions identiques conduiraient à l'uniformité, mais pas à l'unité. Il existe une différence entre unité et uniformité. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, compare l'église à un corps humain. Il tire de cette illustration deux vérités appliquées à l'église locale. Notre corps est un, il est uni. Toutefois, les membres sont différents. Il y a donc à la fois unité et diversité. Ces deux notions ne sont pas antagonistes. Elles sont à vivre toutes deux devant le Seigneur. L'unité du peuple de Dieu n'est pas le fruit d'une organisation humaine, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une unité intérieure spirituelle. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu qui habite en tout véritable chrétien, né de nouveau. Elle n'est pas à faire, elle est. Car dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, l'apôtre Paul a déclaré, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, l'Église de Jésus-Christ. »
peut-être vous vous demandez, mais pour qui Jésus-Christ quand il déclare dans Jean 17, verset 21, que tous soient un? La réponse est dans la parole de Christ lui-même. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, c'est long. Arrivé à la maison, vous pouvez lire ça. Quand nous lisons la prière de Jésus dans Jean 17, nous relevons les points suivants. Au verset 3 et 8, Jésus prie pour ceux qui connaissent le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans le verset 6, il prie pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Le verset 7 dit que Jésus-Christ prie pour ceux qui ont accueilli et reçu la parole de Dieu. Et le verset 20, il prie pour ceux qui ont cru en Christ par la parole des apôtres. Nulle part, Jésus a prié pour l'unité de toutes les religions. Ça n'existe pas. Et au verset 9, il précise: je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si quelqu'un ne connaît pas Christ, Jésus ne prie pas pour lui. Frères et sœurs, Jésus seul peut créer cette unité, et il l'a fait. Toutefois, la seule chose que nous avons à faire en tant que chrétiens, comme a dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, le verset 3, c'est de conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que comme l'amour, il a besoin d'être entretenu. Voyons ce qui se cache derrière tout ça. Je ne sais pas si vous avez en main le livre Ellen G. White, Événements des derniers jours, ou si vous avez sur votre téléphone l'application. Dans le livre Événements des derniers jours, chapitre 9, paragraphe 455, il est écrit, suivez avec attention parce que j'ai des questions: le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création. Et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre sur la terre. Question. Le livre Événements des derniers jours, c'est quel genre de livre il est? Est-ce un livre d'histoire, un roman? C'est quel genre de livre? C'est un livre prophétique. Vous devez savoir que ce texte est écrit depuis plus de 100 ans par la sœur Ellen G. White. Et à ce moment, le protestantisme et le catholicisme, c'était deux amis. Aucun lien d'amitié. D'ailleurs, les catholiques appellent les protestants à ce moment hérétiques. Question. D'après vous, et selon le texte, quel est le véritable enjeu? Parce que le texte parle de confraternité. Quel est le véritable enjeu de cette confraternité? Le sabbat. Le sabbat. Alors, le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain, alors paraîtra une loi contre le sabbat de Dieu. Le véritable enjeu, c'est le sabbat. Le premier enjeu de cette confraternité protestant-catholique, c'est le sabbat. De cet enjeu qui est le sabbat, nous pouvons en déduire un autre. Et là, j'aimerais remplacer le mot sabbat par un autre mot, mais pas par un synonyme. Par quel mot je peux remplacer le sabbat? Ou bien, quand on parle de sabbat, ce mot apparaît immédiatement. C'est quel mot? Adoration. Vous êtes très intelligent, vous êtes là. Adoration. Donc, le deuxième enjeu de cette confraternité, c'est l'adoration. Le premier enjeu, c'est le sabbat. Deuxième enjeu, l'adoration. Donc, c'est bien beau de parler d'amour, de parler de tolérance, de dialogue, mais tout ça n'est qu'une grande farce. Ce qui cache derrière tout ça, c'est la loi contre le sabbat de la création. C'est la loi contre la véritable adoration. Frères et sœurs, les pièges sont dressés. La machine infernale du diable est en marche contre le peuple de Dieu. Mais la bonne nouvelle de ce matin,
c'est n'ayez pas peur. Restez dans la parole. Dans le paragraphe 462 du même livre, Ellen White a déclaré, suivez avec attention, encore des questions. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. On parle d'une triple union dans ce texte. La première partie de cette prophétie parle d'une triple union entre le catholicisme, le protestantisme et le spiritisme. Quand on parle de spiritisme, on voit le culte du mauvais esprit. Tout ce qui est attrait au diable, c'est le spiritisme. Donc, une triple union, protestantisme, catholicisme et le spiritisme. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Le mouvement écuméniste, je vais vous essayer de vous montrer ça un peu plus clair. Le mouvement écuméniste est mandaté par une grande organisation sous les vocables Église unie. Et cette Église qu'on appelle Église unie a 21 principes. Il y a 21 principes qui régissent tout, que toutes les religions ou églises qui font partie de cette organisation sont tenues à respecter ces principes. Le premier principe de ce mouvement, ou bien de cette Église, stipule ainsi. Écoutez, nous respectons la sagesse sacrée de chaque religion et toutes les traditions de chaque religion. Savez-vous que le vaudou, la maçonnerie et d'autres organisations occultes font partie de ce mouvement? Laissez-moi être plus clair. Parler avec le diable, faire des pactes avec de mauvais anges est une religion et c'est reconnu par ce mouvement qu'on appelle écuménisme ou Église unie. Triple union, protestantisme, catholicisme, spiritisme. Ce n'est pas tout. Le quatrième principe de ce mouvement stipule: nous encourageons nos membres, entre parenthèses, les religions, à s'enraciner dans la tradition. Ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas dans l'enseignement de Dieu, ce n'est non plus dans la voie du Christ, mais à s'enraciner dans la tradition. Protestantisme, catholicisme, spiritisme. Et on continue. Cette triple union, tout ce que je dis là, ce n'est pas des choses qui vont arriver dans 10, 15, 20 ans, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Cette triple union se concrétise beaucoup aujourd'hui. Ils ont des accords de principe, des instances de dialogue, mais aussi des réalisations concrètes, comme des entreprises de traduction communes, des émissions de radio et télévision conjointement. Il organise conjointement des célébrations. Par exemple, chaque année du 18 au 25 janvier, il y a réunion de prière pour toutes les religions. Et qui pisent, il y a ce qu'on appelle les échanges de chair, selon la note du COE du 21 novembre 2014. Les échanges de chair, c'est quoi? Ça veut dire que un prêtre ou un curé catholique peut aller prêcher dans une église protestante, pentecôtiste, baptiste, les églises membres, etc. De même, les pasteurs protestants peuvent faire aussi la même chose en retour, aller prêcher dans une église catholique. Et ce n'est pas fini. Ce qui
est pire, c'est que n'oubliez pas que le vaudou, la maçonnerie, ou bien toutes les autres organisations occultes font partie aussi de ce mouvement. Ils ont le même droit. Donc, un vaudouisant peut décider un dimanche d'aller faire sa célébration ou bien faire sa cérémonie dans une église baptiste ou bien n'importe quelle autre église même. Vous ne pouvez pas refuser. Et on doit l'accepter. Et vous devez participer dans l'organisation avec lui. Vous devez lui céder la chair. Voilà où nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, le 13e principe de ce mouvement stipule: nous avons l'autorité de prendre toutes les décisions, à quel que soit le niveau le plus local, dès que c'est pertinent aux membres de notre initiative. Vous ne pouvez pas refuser. Chers frères et sœurs, dans les lieux publics, la Bible ou la parole de Dieu a été mise à la porte. La merveilleuse histoire de la création de Dieu est remplacée par la théorie de l'évolution. C'est interdit de parler de la Bible dans les écoles, alors que les jeunes et même les adolescents ont des accès faciles à des livres de magie, de la pornographie et de la drogue. L'homme viril devient une soi-disant femme, et des merveilleuses femmes, symboles de la vie et de l'amour, deviennent de faux hommes. Tout est normal à nos yeux. Tout. Frères et sœurs, la fin est proche. Revenons dans les enjeux. N'oubliez pas, nous avons déjà trouvé deux enjeux. Le sabbat, ensuite, l'adoration. Je reviens dans le texte de Ellen G. White. Vous savez, pour imposer la loi contre le sabbat, il faut l'appui de l'État et il faut une autorité. Et le paragraphe 463 du livre, il est écrit: le monde est agité par les tempêtes et les guerres et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Je pense, à partir de ce texte, à partir de tout ce que je viens de dire, nous pouvons trouver un troisième enjeu. C'est quoi, d'après vous? Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Donc, le troisième enjeu, c'est le pouvoir. Et tout va se faire sous l'autorité de la papauté avec la complicité des grands états politiques du monde. Il faut remarquer que cette partie de prophétie d'Ellen G. White présentée ici, c'est la même dont parle l'apôtre Jean d'Apocalypse 13, où deux bêtes nous sont présentées. Or, sur la base exégétique de Daniel 7 et d'Apocalypse 13, la bête à sept têtes et 10 cornes en question représente le pouvoir politico-religieux incarné dans la Rome papale, selon les versets 1 à 10. Et la seconde, qui a deux cornes semblables à celle d'un agneau, symbolise les États-Unis d'Amérique. Et l'image de la bête représente donc le protestantisme apostat uni à l'État pour imposer l'observation de ses dogmes religieux, à savoir le faux sabbat du dimanche. Frères et sœurs, les choses bougent autour de nous. Le monde est en mouvement. Et nous, où en sommes-nous? Bientôt, très bientôt, l'Église de Dieu va être persécutée. Nous serons contraints par les grands et les puissants de ce monde d'accepter un faux sabbat à la place du sabbat de la création de Dieu. Sommes-nous prêts à y faire face? Oh, chers amis, en voyant ce qui se passe dans certaines de nos églises et en écoutant le discours de plus d'un, j'ai l'impression que le peuple de Dieu est en train de s'enraciner dans la tradition. J'ai l'impression que le peuple de Dieu s'éloigne petit à petit de la grande lumière biblique. Il suffit de regarder certains de nos lieux de culte. Ils sont pleins de choses abominables à Dieu.
permettez-moi de vous rappeler, et je ne vous apprends rien, que dans un lieu de culte réservé à Dieu, aucune forme d'image taillée, aucune forme d'idolâtrie sont acceptables. Aucune. Toute célébration mixte est contraire à la parole du Seigneur. La place doit être à Dieu et à Dieu seul. Et je précise que ce local vous appartient ou non. Aucune. C'est vrai que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, mais un lieu de culte reste un lieu de culte. Et adorer Dieu dans un lieu pareil revient indirectement de l'apostasie. D'ailleurs, qui parmi vous achèterait une maison avec une belle statue de Bouddha ou bien de Saint-Jacques dans l'une des pièces? Sous prétexte que j'adore Dieu en esprit, en vérité, c'est une statue, ça ne me dérange pas. Qui? Vous ne la voulez pas pour vous-même, mais vous la donnez à Dieu. C'est un mélange d'hypocrisie et d'apostasie, et la Bible n'enseigne pas ça. Nous pouvons qu'à penser à Élie le prophète, qui a renversé tous les idoles qui étaient sur l'autel avant d'évoquer le grand créateur. Nous pouvons parler aussi du jeune roi, je crois, Josias, arrivé au pouvoir à l'âge de 8 ans et à environ 16 ans. Il a entrepris une véritable réforme dans le pays où il a brûlé, renversé tous les idoles et les dieux étrangers qui étaient dans les temples et ailleurs pour remettre le pays à la voie de Dieu. Voilà Adventiste du septième jour, des exemples à suivre. Comment pouvons-nous parler du message des trois anges et celle de la marque de la bête dans les conditions actuelles que nous adorons? Comment faire part aux autres de ces messages alors que nous nous attachons encore à Babylone? Comment parler de la bête alors que nous entamons toutes sortes de liens avec la bête elle-même? Laissez-moi vous donner un exemple clair. C'est ce qui se passe dans certaines églises adventistes actuellement. 9h30, 12h30. Les adventistes du septième jour occupent l'espace. Il y a des idoles. Les chandelles allumées sont partout dans la salle. Mais ce n'est pas grave. Il s'en fout de tout ça. Parce qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. 12h30, ils doivent laisser la salle à un autre groupe. Et ce groupe-là n'adore pas Dieu en esprit et en vérité. Ils font des interpellations. Ils prient les idoles. Ils chantent des messes pour les morts. C'est le culte du spiritisme total. 4h après-midi ou mercredi soir, ou bien sabbat matin, les adventistes reviennent. Et ça continue chaque semaine, ainsi de suite. Ils utilisent le même lieu, la même chair, le même décor et autres. N'est-ce pas là une forme d'échange de chair? C'est ce que le mouvement écuménique veut, et nous sommes dedans, frères. Dans 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 16, l'apôtre a déclaré: « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quel pas le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? » La Bible nous enseigne de nous séparer de ceux qui sont dans l'erreur. Je ne dis pas que nous ne devons plus avoir des relations amicales avec des catholiques ou autres, parce que nous ne pouvons pas savoir quel est le plan de Dieu pour eux. D'ailleurs, dans toutes les religions, il y a de chrétiens fidèles. Mais participer à des réunions écuméniques, c'est l'accepter. Et si nous sommes des chrétiens opposés à l'écuménisme,
nous devons nous en éloigner par obéissance à la parole de Dieu. Et là, j'aimerais mettre un bémol. Ça ne veut dire pas que vous ne devez pas visiter une autre église. Je ne dis pas ça. Ça dépend du contexte. Ça dépend de l'objectif qui est derrière. L'apôtre continue à déclarer, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ces versets nous montrent clairement que nous ne devons faire aucun contrat d'alliance avec les gens qui ne sont pas fidèles à Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs surtout qui m'écoutent ce matin, peut-être vous vous êtes troublés par tout ce que vous venez d'entendre, mais arrivez à la maison, je vous prie, priez Dieu. Dis Dieu, je suis troublé, mais je veux être sauvé. Montre-moi le chemin. Et je suis sûr qu'il va vous éclairer. Et vous, Adventistes du septième jour, mon conseil pour vous ce matin, c'est rester dans la parole. Restez encore dans la parole. Restez dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, frères et sœurs. Dieu utilise qui il veut pour faire passer son message. Que son nom soit béni. Pour terminer le programme, je vous invite à vous mettre debout sous la direction du groupe de chant pour entonner ensemble le numéro 358, chant composé par Martin Luther, « C'est un rempart de notre Dieu ». C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu.
ta parole. Et maintenant, nous te demandons de nous armer par ta puissance et ta force, afin que nous marchions et restions dans ta parole. En ce moment, de manière spéciale, je voudrais invoquer ton Saint grand nom pour le petit Edson, qui est hospitalisé, ça fait longtemps. Rien n'est impossible à toi, Seigneur, nous savons. Et en ce moment, je te demande d'opérer un miracle dans la vie de ce petit garçon. Fais grâce à ce garçon et à sa famille tout entière. Bénis ton Église, cher Seigneur. Fais que l'Église puisse rester encore et encore dans ta parole. Éloigne-nous de toute forme de paganisme. Et au nom de Jésus-Christ, permets que nous marchions de victoire en victoire. Prépare-nous, tant de Père, et bénis cette journée pour nous, au nom de Jésus. La sortie, nous allons chanter au numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et